Très bien, c'est encore en boxe quoi, boxe. Dans la salle de Trélissac, ils sont 46 inscrits en 3 catégories, prêts à décrocher un titre départemental, et sur les rings, toujours plus de féminines. Sur certains clubs, on a la parité homme-fille. Il y a énormément de féminines sur les clubs. Il y en a d'autres où il y a très peu de filles. Je pense que c'est une volonté aussi d'ouverture des clubs. C'est vrai que Trélissac et Périgueux ont énormément de filles. Parmi elles, Sophia, 11 ans, est déjà passionnée par ce sport qu'elle pratique depuis l'âge de 8 ans. C'est pour me défendre, pour éviter que je boxe les personnes qui sont pas sur le ring. Et en même temps, c'est de la boxe, c'est pour s'amuser. S'amuser certes, mais aussi canaliser une énergie que Sophia sait débordante. Quand je suis énervée, soit je fais de la corde à sauter, soit je fais du shadow. Du shadow. C'est quoi? Le shadow, c'est quand tu boxes sans personne. Agilité, rapidité, la boxe, ce sont aussi des valeurs que les clubs tendent à développer. La boxe, c'est l'école de la vie. Hein. Mais sur le ring, en fait, ils sont seuls. Et là, dans l'adversité, en fait, que ce soit à petit niveau ou à grand niveau, il faut déjà monter sur un ring, avoir déjà le courage d'y aller. Et ce courage-là, je crois que ça les amène à traverser à sauter des haies qui font qu'ils se sentent beaucoup mieux après. Après ce rendez-vous départemental, les sélectionnés monteront sur les rings régionaux dans un mois et pourquoi pas sur celui de la grande finale régionale le 24 mars à Royan.